Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petit haul action. Ça fait un moment que j'ai pas fait de haul action, c'est vrai. Je suis allée action, c'est vrai que j'ai pris pas mal de choses, mais j'ai pas eu le temps de faire la vidéo puisque j'avais besoin d'utiliser les trucs tout de suite. Donc là, comme je suis retournée pour prendre des trucs de l'école, alors c'est un sac grand frais, je vous le confirme, mais il y a que des trucs d'action dedans. Donc action! Alors, je vais commencer par ce plumeau que j'ai pris. Après, je ne sais pas s'il est efficace ou pas. En tout cas, il est fou doux. Parce que moi, j'ai un problème. J'ai peur du vide. Quand je dis le vide, c'est le vide. Du coup, dès que je monte, c'est pas, il y a des personnes qui ont peur de l'auteur, comment dire, hauteur. Moi, j'ai peur du vide. Du coup, quand je me mets sur une chaise, s'il n'y a rien pour que je puisse m'accrocher, eh ben, j'ai peur, j'ai la tournée et tout. Donc, pour nettoyer là aussi, c'est assez difficile. Donc, j'ai pris ça pour m'aider. J'espère bien que ça va m'aider. On verra bien. Ensuite, j'ai pris des petites boîtes comme ça pour les sorties, puisque j'aurai des potes qui vont venir à la maison avec des enfants, plus mes enfants. On va aller à la plage presque tous les jours, qui fait dans ces petites boîtes, je vais pouvoir mettre des petits apéros ou préparer le repas de chaque enfant qui auront chacun leur repas parce que j'ai décidé que vu que quand on sort, on n'est pas en voiture, on est en bus, qui fait qu'on transporte beaucoup de sacs. Et là, je me suis dit que je vais prendre ces petites apéros. Ouais, j'en ai pris deux. Deux, comme ça, chaque enfant aura une. C'est pour que chaque enfant transporte leur boîte. C'est un peu comme leur goûter, quoi. Ils vont transporter leur goûter. Et ça m'évitera à moi et ma copine de transporter trop de choses, nous aussi, puisqu'on aura la poussette et tout. Donc, ça évitera. C'est la rentrée dans un mois, à peu près. Un mois et demi. On va dire un mois et demi. Du coup, j'ai commencé à acheter les petites choses pour la rentrée. Donc, c'est deux boîtes de goûter. En ce moment, les enfants sont à fond avec les pâtes patrouille. Mais chez nous, les petits, ils disent ça, papa couille. On a un petit problème. On risque d'avoir des gros, gros problèmes avec cette prononciation. Mais voilà, ils sont à fond avec les papa couille. Du coup, on a fait ça. On a également pris les petits goodes. Il faut savoir que la dernière fois que je suis à l'action, j'avais acheté des goodes isothermes et tout. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et les goudes, ils n'étaient pas du tout isothermes. Quand je mettais des trucs chauds, la goude, elle était chaude. Quand je mettais des trucs froids, ils étaient froids et ça ne tenait pas du tout. Alors, donc, un peu déçu. La prochaine fois, je vérifierai mieux avant d'acheter, mais ça servira toujours. Et là, j'en ai pris ceux-là. C'est vrai que ceux-là, ça ne dure pas longtemps, puisque à un moment donné, même si on nettoie, on désinfecte à l'intérieur, c'est très très difficile de nettoyer. Donc, j'en ai pris chacun un, mais je pense que je vais devoir en acheter d'autres au bout de 2 mois ou 3 mois. Voilà. J'ai déjà vécu l'expérience, donc je sais déjà que je vais devoir en acheter d'autres. Je les ai payés en euros, quelque chose. J'ai pris ce petit vapeau. Comme vous le savez, j'ai les pieds en couleur, je sais pas, c'est du mauve ou lilas. C'est entre les deux. J'ai pris ça. J'ai pris une petite trousse comme ça. Je sais pas vous, mais moi, l'année dernière, je suis allée au mois d'août et c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de trousses. En plus, ils étaient sur 3 euros, 10, entre 3 et 10 euros. Pas beau du tout, ça valait pas le coup. Donc, on avait pris parce que c'était un petit peu en dernière minute. Mais là, j'ai dit, qu'on va commencer à prendre les choses maintenant. Comme ça, on va trouver des belles choses et tout. En plus de ça, quand on attend les dernières minutes, les prix, ils montent à un. Je sais pas. Je sais pas ce qui se passe dans la tête et tout. Mais là, j'ai payé ça 1,35 €. Je suis très très contente. Du coup, on en a pris deux. Elle en a pris une comme ça. Je crois que celui-là, c'est 1,80 € ou un truc comme ça. Elle est dans les 2 euros, moins de 2 euros. Celui-là qui est toute belle. L'année dernière, le met un peu de ce style-là même. J'avais acheté à Carrefour et c'était à 5 euros. Et ceux que ma fille voulait, ils étaient à 6 euros. Donc, pour certains, c'est pas beaucoup, mais pour moi, c'est beaucoup. J'essaie d'apprendre à ma fille les budgets et tout, comment il faut gérer. Donc, je me vois pas mettre 10 balles pour une trousse. Du coup, comme c'était pas cher, 1 euro la trousse, j'en ai pris un pour moi et je vais pas le répéter. Si, je vais le répéter. J'aime le mauve, le rose, et du coup, là, j'ai pris mauve.
tout été pour ranger mes affaires, j'ai pris des scotch quand je vais faire kidnapping. Non, je rigole. J'ai pris des scotch pour emballer les colis Vinted, les colis, voilà, les colis que je vais envoyer. Ça peut être Vinted ou autre, puisque maintenant je crois qu'il y a Calu. J'ai pas encore testé, mais je pense que je vais m'y mettre. Je vais m'y mettre dessus également. Donc j'ai pris des scotch pour les colis. J'ai pris deux tailles crayons. Je pense que je vais garder la mauve et je vais donner la rose à ma fille. J'ai pris des text markers comme ça, des marqueurs. Des petits couteaux, je sais pas vous, mais moi, je suis une tête. Je sais pas si on dit tête en l'air ou tête brûlée, je sais pas comment on dit ça, mais j'utilise les couteaux à steak pour couper mes oignons. Et, en fait, tout ce qu'on doit couper avec des petits couteaux, et bien j'utilise mon couteau à steak et mon chéri n'aime pas du tout. Et bien là, j'en ai trouvé des petits couteaux pour faire des éplucher des légumes ou tout simplement couper des petits oignons. Et puis un petit diary, pareil, diary, l'année dernière, on avait acheté un peu au dernier moment. Et je vous jure qu'il n'y avait pas de beau diary, c'était déprimant. Là, il en a pris un, mais je pense que d'ici là, on retournera à Action. Peut-être on en retrouvera d'autres plus jolis. Mais là, elle a bien aimé. La dernière fois, on avait dû prendre un simple. Et puis, c'était mon chéri qui avait fait un sticker pour qu'on puisse coller dessus. J'ai également des crayons comme ça, ils sont trop mimi. Je suis trop triste que je suis pas à l'école moi, hein. J'aurais bien aimé avoir ça. Et je les ai payés je crois 80 centimes, 85 centimes les 10, il y en a dedans. Ouais, les 10 crayons comme ça. Il y avait un fantôme qui est passé par là, du coup la lumière est buggy. Donc les 10 crayons comme ça, ça m'a coûté 85 centimes. Ils sont trop belles. Après, il faut voir est-ce que en l'utilisant, ça va durer. Je sais pas. J'ai pris des serviettes hygiéniques. J'en ai pris également sur Leader Prize. Je crois que j'avais mis une vidéo sur TikTok pour vous montrer pour 72 euros qu'est-ce que j'avais eu. Donc là, c'est des serviettes hygiéniques que j'ai payé je crois 79 centimes et celui qu'on connaît tous je pense au Louise et ils étaient à 1,35€. Je trouve que c'est pas cher du tout parce que dans les grandes surfaces, dans les pharmacies ou même en ligne c'est dans les 2€. Donc c'est ensuite j'ai pris des nouilles, j'en ai pris deux différents. Alors on a celui au poulet et celui au bœuf. J'en ai pris 10 de chaque qui fait 20 paquets et on a déjà bouffé la moitié. Là, il m'en reste 5. Il m'en reste 10. 11. Il m'en reste que 11 puisqu'on a déjà mangé. On adore ça. Moi, j'aime bien manger mes nouilles. C'est vrai. Mais après, moi, quand je mange mes nouilles, j'aime pas manger mes nouilles comme ça. J'aime bien manger mes nouilles avec des légumes, avec de la viande et tout. Mais avec la cellulite, je crois que je dois me calmer là. Ensuite, j'ai pris deux boîtes de stylos à vie comme ça. Je sais pas si on dit ça, stylo à vie. Mais bon, c'est des stylos. Puis, il y en a 25 dans chaque qui fait 50. Donc là, elle a suffisamment pour toute l'année. Ensuite, j'ai pris un ciseau. Elle en a déjà une, mais on va le garder en réserve. Il n'y en a jamais assez. J'ai pris une brosse pour nettoyer mon évier. Et c'est tout ce que j'ai pris. Non, c'est pas tous. Parce que les enfants ont pris des jouets. Sauf que, comme je vous l'ai dit, ils ont déjà commencé à l'utiliser et je n'avais pas dans le sac qui fait que je ne vous le montre pas. Mais, par exemple, ma fille, elle a pris un truc pour faire des bulles. Ça s'ouvre comme ça et ça fait des grosses bulles. Elle a utilisé, je crois, un seul jour et puis ça bougeait plus, ça s'ouvrait plus. Donc, elle n'a pas payé cher, mais bon, même si on ne paye pas cher, on aimerait pouvoir utiliser des choses plus longtemps. Après, c'est Action, c'est normal, c'est des trucs chinois, etc. Bref, non, on va pas commencer, on va pas aller sur ce terrain où on va critiquer les produits chinois puisqu'on en porte beaucoup. Enfin, moi, personnellement, j'utilise beaucoup de choses qui viennent de Chine. Bref, elle a aussi pris des bonbons en forme de chiottes. Je sais pas à qui ça donne envie. Pas moi, en tout cas, mes enfants, ils ont adoré. Au fait, le bonbon, il ressemble au bâton qu'on nettoie les chiottes, là. Et puis, tu as la vase. Et dans la vase, il y a des une sorte de poudre. Et c'est comme si tu nettoyais ton chiotte. Sauf que tu prenais la poudre et tu le bouffais.
Je ne sais pas si ça vous a donné envie. En tout cas, si ça vous a donné envie, eh bien, va à Action. Vous allez retrouver ce bonbon. Il n'est pas cher du tout. Je crois qu'il est dans les 80 centimes ou 56 centimes. Je ne sais plus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pris? Ah, elle a pris une pistolet à bulles que je voulais également, puisque je voulais faire des photos avec des bulles et tout. Sauf que celle qu'elle a pris, je pense que c'est pas la même chose, puisque quand elle le fait, ça ne fait pas énormément de bulles non plus. Ça aussi, ça fait décevant. Mais pareil, elle n'a pas payé énormément. Je crois qu'elle a payé moins de 2 euros. Et tu appuies, ça fait des bulles et tout. Comment ça a coûté? Moins de 3 ans. Allez, moins de 3 euros. Puisque quand je dis moins de 2 euros, elle est là. Donc, c'est moins de 3 euros. Bref, ensuite, elle a pris des eyeliners avec les tampons et tout, de couleur bleue et rose. Je crois que c'est tout ce qu'on a pris. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!